Yahoo, mon petit pancha, j'espère que tu vas bien. Je suis obligée de refaire cette partie parce que j'ai filmé sans micro. Voilà. Alors, si tu as vu ma dernière vidéo Mangatech, sinon je te la mets ici, tu as vu que j'avais deux grands meubles et un peu plus petit, qui est là maintenant. Et en fait, j'avais mis les trois meubles côte à côte et avec mon père, on s'est rendu compte que ça pouvait être cool quand même que j'ai une troisième grande étagère, ce qu'on vient de faire. Et donc, on a déplacé la petite, donc toi, tu as les trois meubles que j'avais avant qui sont derrière toi. Et en face, du coup, tu as la petite qui est celle spéciale normalement pour la pile à lire. T'inquiète pas, il y a un dessous de verre. Et donc, ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais devoir tout re-ranger. Sachant que si tu as vu sur Instagram, j'avais fait reconstruire des trois cubes à mon père pour pouvoir mettre ma pile à relire. Et on s'est rendu compte en faisant ça que c'était pas terrible. Donc il me fallait un troisième meuble. On l'a fait, on l'a monté hier. C'est moi le jour où je filme, on est le... On est samedi 9 janvier, il est 11h16 précisément. Et c'était il y a à peine 2 mois hein, qu'on a tout déplacé. Donc t'adores le rangement, et oui, non, pas du tout. Mais c'est satisfaisant. Donc voilà, donc en fait là aujourd'hui je vais re-ranger. Ce que je vais faire c'est dans la barre d'infos je vais te mettre la playlist de ce que j'écoute vu que tu me vois souvent danser parce que je peux pas m'en empêcher, très clairement. Je te mets la playlist de ce que j'écoute dans la barre d'infos si t'es curieux. Moi en musique sur la vidéo YouTube, bien entendu, je suis obligée de mettre des musiques de Fenenox Music. Merci à toi d'ailleurs de continuer d'accepter que j'utilise tes musiques parce qu'il faut un son. Ouh, tu... C'est moi qui fous viser, pas l'étagère, merci. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo te plaira. On va commencer avec EXO de Monster X. EXO et Monster, pardon, la chanson Monster. Et après, je te mettrai dans la barre d'infos. Bon visionnage et je te retrouve au fur et à mesure sûrement pour te parler. Bye!
Donc j'ai fini avec la première et voilà, je te montre 1, 2 et 3. Celle-ci est plus claire comme tu peux l'apercevoir parce que le vernis vient juste d'être fait et d'après mon papa ça va s'assombrir avec les années. Donc voilà, ici il faut que je réfléchisse clairement à l'organisation parce que je ne sais pas, parce que ce meuble sert et à ranger les manquets à coucher, à relire et à stocker les nouvelles maisons d'édition que je commence à collectionner. Pas les armoires parce que c'est des grands formats, donc ça va sur l'étagère du bas, donc il n'y a pas besoin de réfléchir. Mais plus par exemple, même si Noé V Graphics, parce que je me suis trompée dans la vidéo, je croyais que c'était Noé Graph parce qu'il n'y avait pas de E. Noé V Graphics, pour l'instant les formats étaient grands, mais je sais qu'ils ont aussi des petits formats, donc je ferai une ligne sûrement pour eux et d'autres maisons d'édition temporairement, tu sais, un peu comme j'ai fait avec Esterman, Doki Doki et... Katsuman Doki Doki et Komiko, je ferai une, tu vois, pour l'instant, mais il faut, je vais au moins laisser la ligne du haut, celle, tu sais, qui est équivalent au Yaoi de Bozov ou au Yuri sur celle-ci. Je vais laisser l'étagère du haut pour tout ce qui est Noé V Graphics et autres, et après le reste, je vais laisser surtout tout ce qui est à ma portée de vue pour les séries qui sont à relire. Et il y a aussi deux titres que je vais mettre ici qui sont deux titres entiers que j'ai achetés presque. On a La courtisane d'Izu où j'ai l'intégralité et on a Kiss Me at Midnight où j'ai 9 tomes sur 11. Voilà, donc moment de réflexion. J'ai pas choisi la meilleure musique pour à écouter parce que c'est des Monsta X et c'est leur dernier album, c'est Love Kill, Love Killa, c'est ça. J'ai pas choisi vraiment le meilleur pour réfléchir, mais c'est pas grave. C'est parti. Thank you.
un petit aperçu donc de ce que ça donne au niveau de mes étagères une fois rangées. Donc j'ai laissé les deux finalement premières cases en me disant que ça servirait donc pour les nouvelles maisons d'édition comme Noévé Graphics. Ensuite après on a des séries que je dois relire qui sont hors Halloween. On a J'aime les sushis, pardon. On a Twinkle Star. On a donc Cosplay Animals. Ensuite, on passe sur l'étagère. J'ai mis Pika ici, en fait, à cause de... Tu vois que ça soit Pika à côté. Et c'est donc les deux séries où j'ai presque l'intégralité, vu que là, elle est en 11 tomes. Et ici, c'est terminé en 12. Ici, j'avais oublié que j'avais Irrésistible. J'ai laissé le premier tome. La série est terminée, je crois, en 10, mais on n'a pas encore. Donc, je l'ai mis ici. Ici, encore une ligne avec des non-Halloweenesques. Avec Prince Eleven, qui est l'auteur de Je t'aime Suzuki. Lovely Devil. Au départ, en fait, j'avais prévu de mettre tous les panini ici. Et en fait, ça fait toute la longueur. Et Lovely Devil, j'ai plus envie de le lire plus rapidement, donc j'ai mis un peu plus haut. Puis je voulais que ça fasse qu'une couche. Ensuite, Five, un manga où on n'aura jamais la saison 2, donc je t'invite même pas à le lire parce que ça sert à rien de pas avoir la saison 2. Rash, je sais pas comment faut le dire, que je dois relire. Stop Bullying Me, je sais pas pourquoi en fait, lui je l'ai mis ici alors qu'en fait j'ai plein de yaoi à relire, mais je les ai pas sortis. Donc voilà. Parce que je veux le lire assez rapidement. Et c'est un 14+, vraiment 14+. Girlfriend. Là on passe sur du Halloweenesque avec Waltz et Prince Eleven qui sont qui sont du même auteur et qui est une suite. Ça se passe avant ça. Alice 19th, je sais toujours pas comment on dit le TH. Shinadar que je dois relire aussi. Remote en 10 tomes. Ici en Halloween on a Arachino Cérès. Je voulais au départ le cacher derrière pour pas perdre cette ligne. Mais je me suis dit que valait mieux faire comme ça pour l'instant tant que j'ai de la place et que je peux me le permettre. Mais Arachino Cérès, c'est vraiment pas celui que je veux relire en premier, donc c'est pour ça qu'il est tout seul en bas. Et ici la pile à relire spéciale Panini. Donc on a Care First Love, Binetsu Chojo et Kissing Blue qui est du même auteur. Désir c'est Max, je sais toujours pas non plus comment on dit le C. Ça aussi c'est du même auteur, c'est Romantic Love Story. Donc c'est que des œuvres du même auteur sauf celle du milieu. Et je veux toutes les relire parce que je les ai lues avant YouTube, je les ai lues au collège. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, mon like, on commente. Je vais pas dire on partage, mais on pense à s'abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à me dire du coup si tu aimes ce genre de vidéo. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye.